On y est, et évidemment, c'est une affiche qui fait rêver tous les amateurs de foot. Un match dont on parle depuis. Bonsoir à toutes et à tous. Une nuit très douce ici et des conditions de jeu optimales. Ça donne presque envie d'aller mettre les crampons. Dans la cabine de commentaires, celui qui est passionné par la chanson française et qui m'accompagne depuis trop longtemps maintenant, Omar Da Fonseca. Et c'est la Carabao Cup qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui. Colchester United contre Manchester City. Aujourd'hui, l'équipe en déplacement est clairement favorite. Mais attention, ça reste du football et avec le public qui pousse à domicile, le match est loin d'être déjà fait. Un dégagement raté sur ce centre, le danger est toujours présent. L'occasion de prendre l'avantage. Intervention réussie sur ce ballon. Ah, le corner bien tiré. Ouais, tranquille, le ballon est bien capté sur ce corner. Une parenthèse pour parler d'un joueur qui sait maintenant tout faire, un grand buteur surtout, c'est Erling Haaland. Et oui, sa capacité à conserver le ballon, à ne jamais se sentir sous pression balle au pied. Son aptitude incroyable à libérer son équipe de la pression. Ce sont des caractéristiques très précieuses. Et attention, son ballon dangereux! Et le but tellement évident, le gardien a déserté et c'est facile de marquer. Regardez, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. Et la conclusion en contournant très bien le gardien, elle est magnifique parce qu'elle est simple. Et le plus difficile dans le football, c'est de faire simple. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Ah, c'est joué dans le dos de la défense. C'est un ballon intéressant, ça. La belle reprise, elle est vraiment pas loin de faire se lever le stade. C'est manqué et l'action n'en donnera rien. Eh oui, c'est réussi, il est passé. Et le tir vers la cage désertée. Et voilà le but. La cage était vide. Et à ce niveau, ça ne pardonne pas. On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action. Et derrière, ça va très vite. Regardez ensuite comment il fait le tour du gardien pour conclure dans le but vide. Moi, j'adore cette fluidité technique, cette capacité à utiliser la bonne ressource au bon moment. Et avec ce but, ça fait donc 2-0 maintenant. Ah, le ballon récupéré sans commettre de faute. D'après les chiffres, la possession du ballon est pour Manchester City et c'est grâce à l'éventail de passes proposées. Il y a des passes de production, de construction, de pression. Tout est en maîtrise, parfaitement réussi. Oui, mais regardez, il va falloir se mettre aussi à défendre là. Gros pressing et ballon récupéré très haut. Et oui, le tir. Excellente intervention, le ballon est capté. Vinicius. L'offensive progresse bien, peut-être une occasion bientôt. Ah, l'action était bien partie et finalement, c'est perdu. Avec une bonne progression dans le camp adverse, le centre de Vinicius. Oh là 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 ! Mais quel geste ! Ce ciseau ! Quel but fabuleux! La contre-attaque sur le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Et à la conclusion, un ballon a joué assez proche de la cage. Il ne manque qu'un coup de soufflage pour marquer le but. C'est reparti, et donc pour City, c'est net et sans bavure. 3 buts d'avance déjà. Nous aurons donc droit à 2 minutes de jeu en plus.
Oh, c'est un bon ballon, ça. Goal, 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 goal. Et encore un, et ce but vient alourdir un peu plus le score. Plus 4 au tableau d'affichage. On le revoit. On sous-estime souvent toute l'intelligence et l'opportunisme qu'il faut pour être à cet endroit, à ce moment précis. Le plus beau dans cette action, c'est le cerveau. Et voilà, on n'ira pas plus loin. C'est... Le coup de sifflet pour la seconde période. Voyons si la deuxième mi-temps sera plus équilibrée que la première. Ouais, c'est intercepté, ça, bien joué. Parfait, ce tacle dans la surface. Jamais évident de siffler des fautes dans la surface, mais attention à cette occasion, regardez. Bonne intervention pour éloigner le danger. C'est intercepté, City perd la possession. Elle frappe en force à mi-distance, il y avait de l'idée, vraiment. Ouais, ça bouge dans l'équipe avec ce changement réalisé par l'entraîneur. Ouais, c'est un peu le jeu, évidemment, dans ce genre de dossier. Mais une offre aurait été formulée par le Real Madrid. Ce n'est qu'une rumeur, évidemment. Et oui, toujours beaucoup de rumeurs. Mais parce que le football, c'est comme ça. On aime en parler, discuter, débattre. C'est ça, la passion de football. Un football sans parole, c'est un off sans sel. À grosse pression, ballon perdu. Wirtz reçoit le ballon. Ah, le ballon intéressant. Allez, ce ballon est dégagé, et heureusement, parce qu'il y avait le feu. Aïe, la passe est manquée. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Ah, c'est bien joué, ballon par-dessus. Ah, ballon bien reçu dans la course. Magnifique ce contre. Oui, bon geste défensif et le ballon sort en corner. Et là, le ballon est renvoyé sans aucune difficulté. Alors, au programme des rencontres à suivre, nous avons à vous proposer ce match de Première Ligue, Manchester City à Everton. Comme ils disent les jeunes maintenant, je suis hypé. Je vous coupe, mais c'est chaud là. Mais oui. La cage était vide, trop facile, et donc le but. Le réalisateur qui nous remonte.
Cette frappe dans le but vide, ce n'était pas le but le plus difficile de sa carrière. Et avec ce nouveau but, la domination se confirme. Plus le temps passe, plus le match est facile. Julian Alvarez. Ouais, le ballon en cloche par-dessus, c'est bien joué. En position idéale. Bombasso sur cette reprise de volée. Un geste plein de spontanéité. C'est somptueux. On le revoit, le ballon lobé qui passe par-dessus le premier rideau. Derrière, c'est dangereux. La finition de volée est parfaitement coordonnée et exécutée. C'est un geste à montrer dans les écoles de reprise de volée. Quelle démonstration! Le score est maintenant de 6 buts à 0. Plus que 2 minutes à jouer minimum. Et c'est donc terminé dans cette rencontre. Le parcours se poursuit pour Manchester City avec la qualification. On a envie de revenir sur l'apparente facilité avec laquelle ils se sont qualifiés. C'était aussi simple qu'une poignée de buts. Erling Haaland à l'image. Quelle force, quelle précision, quelle efficacité. Un match exceptionnel de la part du cyborg. On l'a senti à la hauteur pendant tout le match. Il n'y a pas eu d'absence. Et attention, son ballon dangereux! Et le but tellement évident, le gardien a... Eh oui, c'est réussi, il est passé. Et le tir vers la cage désertée. Et voilà le but, la cage était vide et à ce niveau, ça ne pardonne pas. Oh, c'est un bon ballon ça. Je vous coupe, mais c'est chaud là. Mais oui, le but, la cage était vide, trop facile, et donc le but. Je vous coupe, mais c'est chaud là. Mais oui, le but, la cage était vide, trop facile, et donc le but.